vous voyez une petite vitrine dans le centre-ville, avec des lumières, puis ça flash, puis c'est écrit menu. Puis il y a un gars tout nu qui danse derrière la vitre en écoutant l'album du peuple. C'est la maison de François Poulos parce qu'il a mis ses décorations de Noël. Oui, puis ça dit que ces décorations-là, c'est vraiment... Ça doit être beau. Côté de chez nous, il y a quelqu'un qui a mis 3 ou 4 gros chandelles en plastique avec 2 trois gros Père Noël puis une pluie de lumière. En tout cas, il y en a vraiment qui ont des gros bills d'hydro. Ah, ben moi, j'ai déjà mangé chez François Poulos. Ouais. Honnêtement, j'avais mangé un croissant puis j'avais refusé l'œuf. Parce que je voulais y péter sur la tête. Non, mais ça a été le fun, ça, hein, déjeuner à ça. Oui, ça a été bien plaisant. Merci, Christian. Ouais. Eh bien, mes petits lapins, c'est un ciel variable ce matin. Il y a 30% de probabilité de 2 flocons. Et du soleil, avec des passages nuageux aujourd'hui en général, donc. Et une température qui va atteindre les moins 5. C'est donc pas chaud déjà immédiatement. La nuit prochaine, c'est un ennuagement. C'est suivi de neige en fin de nuit. En fait, la neige débutera en fin de nuit sous un minimum de moins 10 parce que demain, mardi, c'est de la neige et du grésil qui tomberont avec des vents de 40 à 60 km/h, des vents provenance nord-est et maximum de moins 3 à moins 5 en plus. Alors demain, c'est toute une journée. Laisse-moi vous dire, c'est le festival. Et mercredi, quelques averses de neige encore une fois, un minimum de moins 5, un maximum de 0. Il y aura du soleil seulement jeudi, avec un minimum de moins 12 et un maximum de moins 6. Il fait actuellement moins 3 degrés, donc on va faire du ski. Bientôt. Un autre otage américain a été libéré ce matin au Liban. Il s'agit de Joseph Chichipio qui avait été enlevé il y a plus de 5 ans. Et le Téléthon des étoiles a réussi à amasser plus de 3,5 millions de dollars pour la recherche sur les maladies infantiles. C'est maintenant l'heure des hallucinations d'été. Qu'est-ce qu'une hallucination auditive? Oui. Bon, mes chers amis, à tous les matins, à 8h moins 5, jusqu'à la fin des temps, on va vous expliquer. Vous faire comprendre que les chanteurs anglophones, les chanteuses anglophones ou d'une autre langue que le français, ils disent toujours une petite phrase en français. Mmh. Toujours, mmh. Toujours, toujours. Si on écoute comme il faut toutes les pièces, n'importe quoi, Help the Beatles, il doit avoir de quoi. Il y a quoi dans tout. Ce matin, on a une hallucination auditive qui nous vient de Monsieur Anonyme. Donc, tu as des preuves de ce que tu avances. Oui. Ouais. Voyez-vous dans la région, bien sûr, de Rodden, il y a une vieille folle. Oh. Qui s'appelle ma tante Momousse. Ma tante Momousse, elle, son problème... Ma tante Momousse, Sergerie? C'est un vrai monsieur, ça, monsieur Sergerie, pas fin. Il n'y a pas de monsieur Morin, tu penses, toi, qui reste à Rodden? Ben oui, mais quand même. Il s'appelle Potimousse, certain. OK, tout ça pour dire que... Quoi? Tout ça pour dire que ma tante Momousse, son problème, c'est à compter, elle, du 12 octobre, elle pense que c'est Noël. Ah, non. Ah. Oui, après, là, elle sort, disons-le, tout nu dehors, par court, toute la nuit, par cri. C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël. Le 12 octobre. C'est effrayant. Hein? Ça n'a pas de sens. Exactement comme Enya dans la pièce Orinoco Flow. Orinoco Flow. Orinoco Flow. Si vous écoutez comme faut, Enya a dit c'est Noël, c'est Noël. Oui. Vous entendez, ils disent « tenez-la, tenez-la ». Ils disent « tenez-la, 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 à faire dur ». Tenez-la, tenez-la, à faire dur ». À faire dur. Et là, Mani, sais-tu qu'est-ce qu'elle fait? À côte ou nue, dans la nuit, par cri, c'est Noël ». Puis là, elle dit « vu que c'est Noël, il faut que j'aille visiter ma famille ». Puis là, elle cherche un taxi. Non. Dans le milieu du bois. Arrête-toi. Je te dis, elle fait quoi dans sa tête? Puis là, elle crie, « Besoin d'un taxi! Besoin d'un taxi! Besoin d'un taxi! » Comme dans la toune. Comme dans la toune, « I don't know anybody else, the black box. » Je te dis, écoute.
Et c'est une hallucination qui nous vient de anonyme. On comprend pourquoi. Besoin de taxi. On comprend taxi, oui. Ouais, c'est parce que quand tu cours dans le bois, il y a des petites épines de pain qui s'installent dans sa bouche. Ouais. Essaye de dire besoin des épines de pain dans ta bouche. Que ça sonne. Oh, taxi. Exactement. Alors, si jamais vous entendez des hallucinations du type comme ça sur des pièces, vous écrivez à CKOI 211 Avenue Gordon à Verdun, H4G2R2. Le numéro de fax est le 767-2474. On réécoute. C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël. Retenez-la, retenez-la, à fin du Dénia. Puis on réécoute. Oh, taxi. C'est quoi 96.9? Vous écoutez, il est trop de bonheur! Pioneer présente le laser numérique. Si les audiophiles ont adopté le disque compact, les vidéophiles ont découvert l'excellente image disponible avec le Laserdisc. C'est ce qui se rapproche le plus de la télé haute définition de demain. Pourtant, le format Laserdisc n'est pas né de la dernière pluie. Tant Pioneer que Philips fabriquent ces disques vidéo depuis plus d'une décennie. Mais pour qu'ils réussissent, il a fallu deux autres innovations. Le disque compact et le téléviseur à grand écran. Le déblocage s'est fait parce que tous les lecteurs Laserdisc d'aujourd'hui peuvent lire non seulement les disques vidéo, mais aussi les disques compacts. En outre, ils peuvent jouer la bande sonore audio numérique que l'on retrouve sur les tout derniers Laserdisc. Si vous n'avez pas encore visionné un Laserdisc, la netteté incroyable de son image vous coupera le souffle. Avec le Laserdisc, vous obtenez une résolution de 400 lignes. Avec le VHS, seulement 260. Demain, le Laserdisc et le disque compact. Vous venez d'entendre le laser numérique, un hommage de Pioneer. Le laser numérique revient demain à la même heure. Les sports présentés par les restaurants Mike's. Ce midi, Mike's vous propose 10 succulents repas à partir de 3,95 seulement, servis en 10 minutes où c'est gratuit. Passionnément, Mike's. C'est quoi? 96.9 Montréal. 8h exactement, c'est le moment de parler sport avec Christian. Et oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, Boston gagne contre Hartford 5-4. C'est incroyable. Okay. C'est incroyable. Winnipeg l'a emporté 3-2 sur Chicago en prolongation. OK. Oh. Et Edmonton a écrasé Vancouver 7-0. OK. Tu as quelque chose d'incroyable pour le vrai? Oui. J'ai noté que dans les 10 derniers matchs de chacune des équipes de Ligue nationale, 22 équipes maintenant, c'est ça, 22, avec San Jose. Il y a juste deux clubs dans les 10 derniers matchs qui ont une pire fiche que les Canadiens. Deux clubs. Ça veut dire que les Canadiens, dans les 10 derniers matchs, là, ils seraient troisième avant-dernier s'il y avait eu juste ces 10 matchs-là qui auraient compté. OK. Il y a Philadelphie qui a 2 victoires, 7 défaites, 1 nul. Et puis Toronto qui a 2 victoires, 6 défaites et 2 nuls. Le Canadien dans les îles de l'Amérique a 3 victoires, 6 défaites et 1 nul. C'est la même chose que les Nordiques de Québec. Exactement la même chose. Alors, Je suis à terre. Là, tu es à terre. Je vais te remonter. La France a remporté la Coupe Davis pour la première fois depuis 1932. Le croissant gagnant. Non, pas le croissant gagnant. Le saladier d'argent. Guy Forget a battu Pete Sampras en finale. Et c'est en 1932, tout le monde se souvient que c'est les trois mousquetaires qui avaient gagné pour la France. Henri Cochet. Exactement. Boomerang. Oui. Et Slapshot. Non, non, c'est René Lacoste, Jean Borotra et Henri Cochet. C'est exactement okay. ce que je disais. Et pendant qu'on... Oh, j'ai 30 secondes, je suis revenu 30 secondes pour te demander. Les équipes de basketball, tu nommes la ville. Basketball, tu nommes... Comment est-ce qu'il s'appelle? New York. Les Black Snickers. Non, les Knicks. Okay. T'étais pas loin. Les Boston. Les Balloons. Celtics, OK. Philadelphie. Les Flingers. Les 76ers. Chicago, tu dois le savoir, parce que là franchement, les si tu ne sais pas. Les Blues Black Men. Les Bulls de Chicago. J'ai toujours un code des Bulls de Chicago, ça j'avais marqué. Puis Los Angeles. Los Angeles, les Dope Addicts. Oh, il n'est pas loin. C'était les Lakers. OK. Puis, toujours un code d'eux autres aussi. Ouais. Bon, on a fait deux côtes. Mais tout d'abord, au Liban, il y a un autre otage américain qui... Eh bien, elle est de retour, bien sûr, cette fée des neiges.
L'information ski avec Carole Poudvin. Allô, Normand. Allô. Ma belle barre tendre au chocolat. Ah, bon, c'est bon. Bien, la saison commence. La saison commence. Hey! OK, vas-y, Minou. OK. Donc, ça se refroidit. Il vous assure une confiance et une performance hors pair. Ici, pas de vin pour l'info-ski. C'est quoi? Elle a une fixation tyrolienne. Une fixation. Je sais pas si c'est tyrolienne, mais fixation. François, ma petite café crisse d'amour. Moi, c'est diagonal, mon affaire. Je t'en ai-tu déjà parlé? Alors, c'est un ciel variable aujourd'hui. Et c'est un minimum de moins... Ouais, ça, je pense que là, mes petits amis, de jusqu'au mois de mars... Ouais, on est parti là-dedans. Oh, quelle journée variable aujourd'hui. Donc, du soleil avec des passages nuageux. Température atteindra moins 5 à la baisse. Donc, la nuit prochaine, c'est ennuagé. Et ça va s'enneiger en plus, m'a dit, sur la fin de la nuit, avec un minimum de moins 10. Parce que demain, mardi, de 5 à 10 cm de neige mêlée de grisailles sont possibles, avec un maximum de moins 3 à moins 5 et des vents de 40 à 60 km. Donc, attelez-vous.